À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue sur Vatican News. Nous allons suivre ensemble la rencontre du pape François avec les jeunes du Chili. Nous sommes en direct de Santiago, au sanctuaire de Maipú, donc dans la capitale chilienne. Le Saint-Père est arrivé à saluer les jeunes en papa mobile, en traversant la foule comme à son habitude. Et on a vu ces jeunes courir derrière la papa mobile, saluer le Saint-Père. On les a vus s'agiter surtout avec leur téléphone portable, leur tablette, car maintenant, chacun va de son téléphone pour avoir sa petite image de cette rencontre. Et il est sûr que les réseaux sociaux en seront inondés. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, en direct de Santiago, il est 17h16 au Chili, 21h16 à Rome et en France. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Vous allez passer une soirée, je pense, assez festive, car c'est une rencontre joyeuse, généralement, que celle d'un pape avec la jeunesse. Rencontre que nous allons passer ensemble. Jean-Charles Puzzolu a le plaisir de vous accompagner pour cette heure, heure et demie environ. D'ici quelques minutes, le Saint-Père devrait quitter la sacristie et se présenter sur cette esplanade, sur cette estrade qui a été montée pour l'occasion. La rencontre a lieu évidemment en plein air, il fait chaud, il fait bon ici au Chili, et donc les jeunes sont venus nombreux. C'est une journée nationale de la jeunesse pour les Chiliens, comment dire, une rencontre privilégiée avec le Saint-Père. Et quand on est à l'autre bout du monde, ce n'est pas si fréquent, même si, il faut le dire, le pape a déjà effectué 6 visites en Amérique latine. Il y a un continent qui effectivement est un peu privilégié. 6 visites en Amérique latine, 22e voyage apostolique du pape François, et toujours pas de voyage en Argentine, qui est son pays d'Argentine, pour l'instant son pays d'origine. Le pape a tourné un peu autour. Chili, il sera au Pérou dans quelques jours, la Colombie. Mais qui sait si dans l'année ou dans le courant de l'année prochaine, une visite sera programmée dans son propre pays où, de fait, le Saint-Père est attendu. On l'avait vu aussi également au Brésil pour cette fois la journée mondiale de la jeunesse. Le Saint-Père qui salue les prêtres évêques tout en s'avançant et qui échange quelques mots avec chacun d'entre eux. Je voudrais saluer aussi tous nos amis et fidèles partenaires de AWTN Television qui nous font l'amitié d'être avec nous ce soir, et puis également nos amis de Radio Maria qui sont avec nous et grâce auxquels vous pouvez également suivre cette retransmission. Nous sommes également en direct sur notre chaîne YouTube, youtube.com/VaticanFR en audio et en vidéo, bien évidemment, avec maintenant cette nouvelle organisation que sont les médias du Vatican, regroupés au sein du secrétariat pour la communication, et donc Vatican News. Et le Saint-Père qui est tout souriant et qui salue le pouce levé, quelques jeunes en passant devant eux. Voilà, le ton est presque donné, je vous l'avais dit, ça va être une soirée joyeuse. Les jeunes qui sont en préparation d'ailleurs du synode que le pape a convoqué et qui se tiendra cet automne, un synode qui sera consacré aux jeunes et qui promet d'importantes considérations de l'Église pour les générations futures. Le Saint-Père qui s'arrête pour saluer un jeune couple, et si je ne m'abuse, oui, avec leur petit bambin. Et comme je vous parlais de téléphone portable et de selfie il y a quelques instants, eh bien voilà, on a sorti le téléphone portable, mais cette fois c'est un selfie avec le pape François. Monseigneur Rueda, qui est l'organisateur des voyages pontificats, montre le chemin au Saint-Père afin qu'il rejoigne son siège sur cette estrade. Alors bien sûr, il y aura une lecture biblique ce soir, il y aura une allocution du Saint-Père, le Saint-Père qui sera aussi salué par un jeune pour cette rencontre, qui lui fera part probablement de ses préoccupations. Nous sommes, je vous le disais, au sanctuaire de Maipú, qui est un lieu de culte historique du Chili, au sud-est de Santiago.
et qui a été érigé en commémoration du vœu du peuple chilien, précisément, de dresser un sanctuaire dédié à la Vierge du Carmen, Notre-Dame du Carmen, au lieu même où aurait été vaincue l'armée espagnole qui, en 1818, eh bien, menaçait l'indépendance proclamée en 1810. Voilà pour la petite histoire. Que su santidad venía a nuestro encuentro, nos sentimos gozosos con la noticia. Como Juan Bautista, cuando saltó en el vientre de su madre Isabel, cuando la Virgen María la fue a visitar. Una expresión de ese gozo es que hoy mismo estamos en comunión con todo Chile, festejando y anunciando a un Cristo vivo que se hace presente en cada uno de nosotros por pura gracia suya. Alors on est rentré dans le vif de la rencontre, puisque dès que le pape s'est installé, c'est déjà un jeune qui a pris la parole pour le saluer et qui dit que lorsqu'il a appris la venue du pape François ici au Chili, eh bien tous les jeunes se sont réjouis de la nouvelle, exactement comme Jean-Baptiste a bougé dans le ventre de sa mère Élisabeth lorsque la Vierge Marie lui avait rendu visite. L'expression de cette joie est notre présence aujourd'hui avec vous en communion avec tout le Chili pour célébrer l'annonce du Christ vivant en chacun d'entre nous et par pure grâce. Votre visite, cher pape François, est très positive pour nous, pour tant de choses qui se passent dans notre pays et dans notre vie ecclésiale. Tout d'abord, merci de faire un peu de place dans votre emploi du temps chargé pour venir à notre rencontre, nous les jeunes, et surtout en cette période qui précède le synode qui nous sera consacré. En deuxième point, poursuit ce jeune garçon, Saint-Père, nous vivons un moment présynodal dans tous les diocèses du pays, répondant à nos pasteurs qui nous ont invités à marcher ensemble. Vous l'avez mentionné plusieurs fois, les jeunes doivent être les protagonistes du changement, les protagonistes d'une société plus juste, qui s'inquiète des plus faibles, qui apprécie la valeur de la vie et qui peut goûter à l'amour de Dieu dans chaque frère et sœur, qu'ils soient nés d'ailleurs dans notre pays ou de l'autre côté du monde. Des jeunes qui doivent dénoncer l'injustice, qui doivent s'engager pour un monde meilleur, avec une joie infinie, une joie qui se renouvelle chaque jour parce que Dieu lui-même arrose la plante de la foi. Cet après-midi, cher pape François, vous êtes sans aucun doute dans un Chili différent de celui qui a reçu le pape Jean-Paul II il y a 30 ans. Mais je suis sûr qu'il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est l'affection et la proximité de votre sainteté. Parce que les Chiliens, les jeunes, les enfants, les adultes et les personnes plus âgées reconnaissent en vous un modèle de vie, un modèle d'amour, un modèle du Christ vivant. C'est parce que nous avons besoin de votre sagesse et de votre conduite le plus longtemps possible que je veux demander à tous les jeunes ici présents de prier pour vous soutenir dans la foi et pour que vous vous souveniez tout au long de votre ministère qu'il y a un pays long et étroit, composé d'une grande diversité de populations, d'une grande diversité de climats, qui ne vous laissera jamais seul et qui sera votre soutien lorsque vous sentirez la fatigue des tâches infinies qui incombent au successeur de Pierre, le pape, notre pape. Voilà donc les quelques mots de ce jeune garçon qui s'appelle Ariel Royas. Et ce que l'on entend en espagnol, esta es la juventud del Papa, c'est la jeunesse du Pape. Somos jóvenes que queremos encontrarnos con Jesús. Estamos llenos de esperanza y nos sentimos llamados a ser profeta de su amor. Le presentamos la Cruz de Chile. Nous sommes les jeunes qui veulent rencontrer le Pape. Nous sommes remplis d'espérance et je voudrais, dit cette jeune fille, vous présenter la Croix du Chili. Une croix de couleur bleue qui représente la couleur du ciel et le ruban rouge sur cette croix est le ruban du sang du Christ et l'étoile. L'étoile, c'est l'étoile de Notre-Dame du Carmel. Con el Señor Jesús
para ser testigo del amor de Cristo que nos impulsa a trabajar en la construcción. Saint-Père, en déposant ce ruban rouge sur la croix, nous commémorons la mort du Christ et nous espérons tous aussi par la prière en un Chili meilleur. Cette jeune fille qui s'approche du pape François et qui échange quelques mots après l'avoir salué, et le pape qui va lui remettre. Alors c'est ou un chapelet ou une médaille, je ne l'ai pas bien vu, mais le pape lui a remis un petit présent en souvenir de cette visite. Vous savez que lorsque le pape se déplace à l'étranger très régulièrement, il remet à ses hôtes un chapelet ou une médaille, des médailles qui sont réalisées pour chacun de ses voyages, des médailles souvenirs. Voilà, et le tout s'est déroulé sous un chant qui évoque la vocation des jeunes. De l'Evangelio según San Juan. Et la rencontre se poursuit avec la lecture d'un extrait de l'Évangile selon Saint Jean. Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó, ¿qué quieren? Ellos le respondieron. Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples, posant son regard sur Jésus qui allait et venait. Il dit, voici l'anneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'il le suivait et leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils allèrent donc. Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui, ce qui, ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui. « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » C'est la parole du Saint-Père, les mots que le Saint-Père doit adresser aux jeunes que nous allons entendre maintenant. Le pape François qui vient de sortir de sa poche ses lunettes et s'apprête dans la joie de cette assemblée à s'adresser aux jeunes de Santiago, mais au-delà d'eux bien évidemment, aux jeunes de tout le Chili et de tous ceux qui le suivent à la radio et à la télévision. Le Saint-Père qui remercie les jeunes et qui les remercie de le recevoir. Le Saint-Père qui fait allusion à un écriteau qu'il a vu et qui dit qu'il est très important de pouvoir se rencontrer avec les jeunes ici et de marcher ensemble un moment
de nous aider, dit François, à regarder de l'avant. Je suis heureux que cette rencontre se déroule ici, à Maipú, sur cette terre, dans une étreinte de fraternité où l'histoire du Chili a été fondée. En ce sanctuaire qui se dresse à la croisée des chemins du nord et du sud, qui unit la neige et l'océan, et qui fait que le ciel et la terre ont un foyer. Un foyer pour le Chili, un foyer pour vous, chers jeunes, où Notre-Dame du Carmel vous attend et vous reçoit le cœur grand ouvert. Tout comme elle a accompagné la naissance de cette nation, et comme elle a accompagné tant de Chiliens durant ces deux siècles, elle veut continuer à accompagner ces rêves que Dieu met dans vos cœurs. Ces rêves de liberté, rêves de joie, rêves d'un futur meilleur, de désir. Comme tu le disais, Ariel, c'est le jeune qui s'est adressé au pape tout à l'heure. Désir d'être les protagonistes du changement, être des protagonistes. Notre-Dame du Carmel vous accompagne pour que vous soyez les protagonistes du Chili dont rêvent vos cœurs. Et je sais que le cœur des Chiliens rêve, et rêve en grand. Un cœur qui rêve toujours en grand. Parce que ces terres sont nées des expériences qui progressivement se sont étendues et multipliées dans différents pays de notre continent. Qui les a impulsés? Des jeunes comme vous qui ont voulu vivre l'aventure de la foi. Parce que la foi provoque chez les jeunes des sentiments d'aventure qui invitent à passer par des paysages incroyables. Des paysages qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas tranquilles. Mais vous aimez les aventures et les défis. Mieux, vous vous ennuyez quand il n'y a pas de défis qui vous stimulent. Es más, se aburren cuando no tienen desafíos que los estimulen. Y esto se ve, por ejemplo, cada vez que sucede una catástrofe natural. Tienen una capacidad enorme para mover. On le voit clairement que vous vous ennuyez lorsqu'il n'y a pas de défi qui vous stimule, dit François. On le voit clairement, par exemple, chaque fois que se produit une catastrophe naturelle. Vous avez une capacité énorme de vous mobiliser qui traduit la générosité de vos cœurs. El camino hacia adelante, los sueños que tienen que ser concretados, el mirar siempre hacia el horizonte, se tiene que hacer con los pies en la tierra. Y se empieza con los pies en la tierra de la patria. Y si ustedes no aman a su patria, yo no les creo que lleguen a amar a Jesús y que lleguen a amar. Et le Saint-Père qui s'adresse directement aux jeunes pour leur dire que si vous voulez aller de l'avant, il faut marcher. El amor a la patria. Et il faut être amoureux de son pays. L'amour du pays, c'est aussi l'amour de la mère, de la mère patrie. Patriotas. No van a hacer nada en la vida. Quieran a su tierra, chicas y chicos. Quieran a su Chile. Den lo mejor de ustedes por su Chile. Donnez le mieux de ce que vous avez dans vos cœurs. Soyez amoureux de votre patrie. Soyez patriote, ce qui ne veut pas dire nationaliste. Et apprenez à marcher comme votre mère vous a appris à marcher, marcher pour construire un avenir meilleur. Dans mon ministère épiscopal, j'ai pu découvrir qu'il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup, de bonnes idées dans les cœurs et les esprits des jeunes. Ils sont préoccupés, en quête, idéalistes. Vous savez quel est le problème?
c'est que nous les grands, qui très souvent, avec une tête de « je sais tout », nous disons « il pense comme ça parce qu'il est jeune, il va bientôt mûrir ». Piensa así porque es joven, ya va a madurar, o peor, ya se va a corromper. Y eso es verdad. Detrás del ya va a madurar, contra las ilusiones y los sueños, se esconde el tácito, ya se va a corromper. Cuidado con eso. Madurar es crecer y hacer crecer los sueños y hacer crecer las ilusiones. Et alors, dit le Saint-Père qu'il ne faut pas casser le rêve des jeunes, parce que qui est contre les illusions finit par détruire les illusions. Et lorsque les adultes pensent de cette façon, ils détruisent les rêves des jeunes. Parece que le tiráramos una frazada mojada encima para hacerlos callar. Se escondiera que madurar es aceptar la injusticia, es creer que nada podemos hacer. Il semblerait que mûrir, ce soit accepter l'injustice, croire que nous ne pouvons rien faire, que tout a toujours été comme ça. Et prenant compte de toute la réalité des jeunes, j'ai voulu réaliser cette année le synode. La verdadera madurez es llevar adelante los sueños, las ilusiones de ustedes. Juntos, confrontándose mutuamente, discutiendo entre ustedes. Et revenant sur la maturité, le Saint-Père souligne que la confrontation est utile, mais qu'il faut toujours regarder de l'avant, que la confrontation doit être donc constructive. Et vu la teneur des applaudissements, ces propos ont été bien entendus. Teniendo en cuenta toda esta realidad de los jóvenes, en tenant compte donc de la réalité des jeunes, porque se va a realizar lo que esperemos un minutito que saquen a esta hermana nuestra que se descompuso. Y la acompañamos con una pequeña oración para que se reponga enseguida. Alors, le Saint-Père qui a interrompu son discours car il a entendu dire qu'une personne avait fait un malaise et qu'on l'avait emmené en ambulance et il a demandé quelques prières pour cette personne. Il reprend son discours donc en prenant compte toute la réalité des jeunes, j'ai voulu réaliser cette année le synode. Et avant le synode, avec les évêques qui penseront aux jeunes. Mais j'ai peur des filtres. Parce que vous savez que les propositions risquent d'être filtrées, et moi je voudrais écouter directement les jeunes. Donc ce synode devrait être une rencontre des jeunes. Je voudrais que vous soyez les protagonistes, les jeunes du monde, les jeunes catholiques, et même les jeunes non catholiques, les jeunes chrétiens, et même d'autres religions. Que no saben si creen o no creen. Todos. Et même des jeunes qui savent s'ils croient ou qu'ils ne savent pas qu'ils croient, ce que je voudrais écouter, et pour que l'on puisse ensemble s'écouter, parce que c'est important que vous puissiez parler. Quant à nous, nous devrons vous aider pour que vous soyez cohérents. Mais si vous ne nous parlez pas, comment peut-on vous aider? Si vous ne parlez pas, ça ne va pas être possible. Il faut donc que vous ayez le courage de nous parler.
avant le dimanche des Rameaux, je recevrai une délégation des jeunes du monde entier. Et nous devons faire ensemble en sorte que l'Église ait un visage plus jeune. Je ne sais pas si je dois parler de notre Sainte Mère l'Église, m'a dit un jeune, ou de ma Sainte Grand-Mère. Non, l'Église est jeune, ce n'est pas une grand-mère. Mais l'Église a besoin d'un visage vrai, un visage jeune et pas de crème antiride. La Santa Madre Iglesia hoy necesita de ustedes. Et aujourd'hui, notre Sainte Mère, l'Église, a besoin de vous. Et ensuite, elle préparera une réponse, mais elle a besoin de vous. L'Église a besoin des jeunes. Espiritualmente mayores y tengan el coraje de decirnos esto me gusta, este camino me parece que es el que hay que hacer, esto no va, esto. Vous devez avoir le courage de nous dire ce cheminement nous semble juste, cette route-là nous semble sinueuse. Dites-nous ce que vous pensez, ce que vous sentez. Et ça, c'est le travail que vous devrez faire en groupe. Et le synode, bien sûr, il y aura dans ce synode des groupes qui vous représenteront et qui représenteront également l'ensemble de vos préoccupations, de vos propositions. Mais vous devez donner à ces groupes tout ce que vous avez sur le cœur, vos idées, vos propositions. L'Église du Chili a besoin de vous. L'Église a besoin d'être secouée, elle a besoin d'être plus vichy, plus proche du Christ avec vous. Alors, venez nous secouer et venez nous aider tous à être plus proches du Christ. Nous sommes tous invités à être proche de Jésus, encore et encore. Si cette rencontre ne nous aide pas à être plus proche du Christ, alors on est en train de perdre du temps. Nous perdons notre soirée, des heures et des heures de préparation qui ne nous aident pas à être plus proche du Christ. La miramos a la madre. Cada uno en su corazón le diga con las palabras. Chacun regarde vers Marie dans son cœur. Et nous lui disons, elle qui a été la première disciple, demandons-lui de nous aider d'être plus proche du Christ. Y déjenme contarles una anécdota. Laissez-moi vous raconter une anecdote. En parlant un jour avec un jeune, je lui ai demandé ce qui le mettait de mauvaise humeur. Alors, quand est-ce que tu es de mauvaise humeur? Il m'a répondu, quand mon téléphone portable n'a plus de batterie ou quand je perds la connexion d'Internet. Et je lui demande pourquoi. Il me répond, « Père, c'est simple. Je rate tout ce qui est en train de se passer. Je reste hors du monde, comme suspendu. Et en ces moments, je sors en courant chercher un chargeur ou du réseau Wi-Fi ou un mot de passe pour me reconnecter. » Cette réponse m'a fait penser qu'avec la foi, la même chose peut nous arriver. Nous sommes tous enthousiastes
que la visita del Papa, la fe crece. Pour l'enthousiasme initial, il y a des moments où, sans nous en rendre compte, il y a des moments où, après un moment de joie, notre bande passante commence à baisser. Et là, l'enthousiasme commence à diminuer. Nous commençons à perdre notre connexion avec Jésus. Nous perdons aussi l'énergie de notre batterie. Et alors, on est gagné par la mauvaise humeur. On redevient sceptique, triste, sans force. Et on commence à voir tout en négatif. Lorsque l'on reste sans cette connexion qui donne la vie à nos rêves, le cœur commence à perdre de la force. Le cœur reste sans batterie lui aussi. Et comme le dit cette chanson, le bruit alentour et la solitude de la ville nous isolent de tout. Le monde qui va à l'envers veut me submerger en étouffant mes idées. Ça ne vous est jamais arrivé? À moi, c'est arrivé. Sans connexion. Sans la connexion avec le Christ. Sans cette connexion, nous finissons par noyer nos idées, nos rêves, notre foi, et on est gagné par la mauvaise humeur. De protagonistes que nous sommes et que nous voulons être, nous pouvons en arriver à penser que faire quelque chose ou ne pas le faire, eh bien c'est pareil. On devient des jeunes pessimistes. Et on sait comment ça se termine. On reste déconnecté de ce qui se passe dans le monde. On commence à se sentir hors du monde, comme disait ce jeune. Je suis inquiet quand, en perdant la connexion, beaucoup pensent qu'ils n'ont rien à apporter et qu'ils sont comme perdus. Non, en fait, tu as toujours quelque chose à donner. Étudier, avoir des diplômes. Mais on devient pessimiste quand on perd la connexion. Ne pense jamais que tu n'as rien à apporter ou que tu ne manques à personne. Jamais. Tu as besoin de beaucoup de monde. Et chacun d'entre vous le pense dans son cœur. Cette pensée, comme aimait le dire Hurtado, est le conseil du diable, qui veut te faire croire que tu ne vaux rien. Mais pour laisser les choses comme elles sont, nous sommes tous nécessaires. Parce que les seuls qui peuvent changer les choses, c'est vous. Nous, maintenant. Merci. Le Saint-Père qui, encore une fois, vient d'apprendre qu'une jeune fille s'est évanouie et qui demande « Mais depuis combien de temps êtes-vous ici ?» Nous avons tous quelque chose à donner, tous quelque chose à apporter. Dans un moment de silence, que chacun se demande dans son cœur « Qu'est-ce que je peux apporter dans la vie ?»
Et combien parmi vous ressentent la tentation de dire « je ne sais pas ». La vie est à l'intérieur de vous. Le monde a besoin de toi, la patrie a besoin de toi, la société a besoin de toi. Tu as quelque chose à donner. Ne perds pas cette connexion. Les jeunes de l'Évangile que nous avons entendu aujourd'hui voulaient cette connexion. Et ils cherchaient cette connexion qui les aurait aidés à garder vivant le feu dans leur cœur. Ils voulaient savoir comment recharger la batterie du cœur. André et l'autre disciple, qui ne dit pas son nom, et nous pouvons penser que cet autre disciple, eh bien, c'est chacun d'entre nous. Cherchaient le mot de passe pour se connecter avec celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Ils étaient guidés par Jean-Baptiste. Et je crois que vous avez un grand saint qui peut vous servir de guide, un saint qui allait en chantant dans sa vie, « Heureux Seigneur, heureux !» Hurtado avait une règle d'or, une règle pour enflammer son cœur avec ce feu capable de maintenir vivante la joie. Para encender su corazón con ese fuego capaz de mantener viva la alegría. Porque Jesús. Car Jésus est ce feu grâce auquel s'enflamme quiconque s'en approche. En fait, le mot de passe de Hurtado était très simple. Le mot de passe pour maintenir cette connexion avec le Christ. Et si vous le voulez, j'aimerais que vous l'écriviez sur vos téléphones. Hurtado se demande, que ferait Jésus à ma place? Lo que pueden, anótenlo. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en mi lugar en la escuela, en la universidad? Que ferait le Christ à ma place, à l'école, à l'université, dans la rue, à la maison, entre amis, au travail, devant celui qui vous brime? Que ferait Jésus à ma place? Quand vous allez danser, quand vous allez faire du sport ou lorsque vous allez au stade, que ferait Jésus à ma place? C'est ça le mot de passe. Le mot de passe pour recharger la batterie, ou la batterie pour recharger votre cœur. Allumez la foi et l'étincelle dans les yeux. C'est cela, être protagoniste de l'histoire. Les yeux scintillants, parce que nous découvrons que Jésus est source de vie et de joie. Protagoniste de l'histoire, parce que nous voulons communiquer cette étincelle à de nombreux cœurs éteints, opaques, ou qui oublient ce qu'est espérer, à tous ceux qui s'ennuient et qui attendent que quelqu'un les invite ou leur présente un défi grâce à quelque chose qui en vaudrait la peine. Être protagoniste, c'est faire ce qu'a fait Jésus, là où tu es, avec ceux que tu rencontres et au moment où tu te trouves. Que ferait Jésus à ma place? Cargaron la contraseña. Y la única manera. Vous l'avez écrit, vous l'avez écrit ce mot de passe. La seule façon de ne pas oublier ce mot de passe, eh bien, c'est de l'utiliser. Sinon, va passer. Lo, claro, esto de mi época, no de la de usted, pero por ahí saben algo. Lo que le pasó a los tres chiflados en aquel film, que arman. Un assalto, un robo, una caja fuerte, todo pensado, todo. Y cuando llegan, se olvidaron de la contraseña, se olvidaron de la clave. Si no usan la contraseña, se la van a olvidar. Cárguela, cárguela en el corazón. ¿Cómo era la contraseña? Voilà, le pape qui fait allusion à un film où les voleurs s'emparent d'un coffre-fort, mais qu'ils oublient de s'emparer de la combinaison. Alors, écrivez le mot de passe, répétez-le. Et utilisez-le.
Que ferait le Christ à ma place? Utilisez ce mot de passe tous les jours, tous les jours. Viendra le moment où vous le connaîtrez par cœur. Et viendra le jour aussi où, même sans vous en rendre compte, vos cœurs battront comme celui du Christ. No basta. No basta con escuchar. Il ne suffit pas d'entendre un enseignement religieux ou d'apprendre une doctrine. Ce que nous voulons, c'est de vivre comme Jésus a vécu. Que ferait Jésus à ma place? C'est pourquoi les jeunes de l'Évangile lui demandent: Seigneur, où demeures-tu? Comment vis-tu? Nous voulons vivre comme Jésus. Et c'est ça qui fait vibrer notre cœur. Risquer, courir le risque. Chers amis, soyez courageux. Sortez tout de suite à la rencontre de vos amis, de ceux qui ne savent pas ou ceux qui sont dans une passe difficile, avec la seule promesse que nous avons au milieu du désert, du chemin de l'aventure: il y aura toujours une connexion, il y aura toujours un chargeur de batterie. Nous ne serons pas seuls. Nous jouirons toujours de la compagnie de Jésus, de sa mère et d'une communauté. C'était quoi le mot de passe? Demande le pape. C'est bien. C'est bien. Mais rappelez-vous-en. Chers amis, chers jeunes, soyez, et je vous le demande s'il vous plaît, soyez les jeunes samaritains qui n'abandonnent jamais un homme à terre sur la route. Et dans le cœur, une autre question. Si vous avez un parent, un ami, une amie, sean samaritanos, nunca abandonen al hombre tirado en el camino. Sean ustedes los jóvenes sirineos que ayudan a Cristo a llevar su cruz. Soyez comme les jeunes Cyrénéens qui aident le Christ à porter sa croix et qui soulagent la souffrance de leurs frères. Sean como Zaqueo. Soyez comme Zachée, que transformó, qui transforme son cœur matérialiste en un cœur solidaire. Soyez comme la jeune Madeleine, passionnée en quête d'amour, qui trouve en Jésus seul les réponses qu'elle cherchait. Ayez le cœur de Pierre, Pierre, pour abandonner les filets le long du lac. Ayez la tendresse de Jean pour mettre en lui toutes vos affections. Ayez la disponibilité de Marie, première disciple, pour chanter avec joie et faire sa volonté. Chers amis, j'aimerais passer plus de temps ici. Ceux qui ont un téléphone, gardez-le dans votre main.
parce que c'est un signe pour ne pas oublier le mot de passe. C'était quoi? Et comme ça, vous pourrez vous connecter, vous aurez toujours un signal. Merci pour cette rencontre, merci pour votre joie. Souriant chaleureusement, salué par les jeunes, merci, merci beaucoup. Et je vous demande une faveur, n'oubliez pas de prier pour moi. Merci. Voilà les mots du Saint-Père adressés aux jeunes. Et ce mot de passe, c'est quoi ce mot de passe? Que ferait le Christ à ma place? En début de cette rencontre, je vous parlais de nombreux téléphones portables que les jeunes avaient avec eux, ces nouvelles technologies avec lesquelles faire des vidéos, des photos, les poster sur les réseaux sociaux. Mais je ne pensais pas une seconde que le Saint-Père allait se servir de ces téléphones portables pour s'adresser aux jeunes, pour prendre cette image du téléphone qui se décharge de cette connexion perdue et cette connexion qui pourrait être cette connexion avec Dieu. Sans connexion, effectivement, on peut se sentir inutile. Or, cette connexion, elle existe toujours. Il existera toujours un chargeur de batterie, dit François aux jeunes. Il existera toujours une connexion. Si vous vous posez la bonne question, si vous avez le bon mot de passe, que ferait le Christ à ma place? Et puis cette invitation. À être toujours plus proche du Christ et à aider l'Église et l'Église du Chili à être plus proche du Christ. Et digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los ofensores. Porque tuyo es el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Le Saint-Père et les jeunes viennent de réciter la prière que nous avons appris du Christ, le Notre Père. Alors que la croix qui avait marqué le début de cette rencontre passe aux mains du pape François. Cette croix avec laquelle le Saint-Père donne sa bénédiction à l'Assemblée. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Terminer cette rencontre, le Saint-Père dépose au bras de Notre-Dame du Carmen, qui a été la protectrice de cette rencontre ici au sanctuaire de Maipú et qui se dresse
sur l'estrade et qui a suivi de très près de sa protection maternelle la rencontre du pape avec les jeunes. Le pape vient de déposer un chapelet sur cette représentation de la Vierge. Y antes de irme, ¿cómo era la contraseña? Et avant de m'en aller, c'était quoi le mot de passe? Au revoir et merci, ciao, grazie. Le pape très souriant au terme de cette rencontre. Et le Saint-Père qui quitte cette assemblée de jeunes chiliens. Con un fuerte aplauso, le agradecemos al Santo Padre por visitar el Santuario Nacional de Maipú. Les jeunes chiliens qui remercient le pape d'avoir effectué cette visite au Sanctuaire National de Maipú, une assemblée très colorée, une assemblée qui brandissait des petites croix en carton, une assemblée que le pape a invité à se préparer pour le synode des jeunes, qu'il a invité à avoir le courage de parler, de dire ce qu'ils avaient sur le cœur, car si eux ne parlent pas, comment est-ce que l'Église peut les écouter, comment est-ce que l'Église peut les entendre? Ayez le courage de tout nous dire à nous pour que nous puissions ensuite vous écouter et adopter, marcher ensemble sur le chemin d'une église toujours plus jeune et toujours plus proche du Christ. C'est ça le message de la rencontre du pape avec les jeunes ce soir et avec un mot de passe, si jamais vous repassez par là, et c'est « Que ferait Jésus à ma place ?» Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve dans pas très longtemps, dans une cinquantaine de minutes, pour le dernier rendez-vous de cette journée du pape François au Chili, puisque nous nous retrouverons en direct de l'Université catholique du Chili, l'Université pontificale, toujours à Santiago. Il est 18h08 à Santiago, 22h08 à Rome et Paris. On se retrouve aux alentours de 19h, autrement dit 23h. A tout à l'heure, merci et n'oubliez pas de rester connectez vous aussi, mais sur Vatican News. Porque nos aprendimos la contraseña del Santo Padre.